sans puissance. C'est fantastique. Ça vient de l'anglais empower. Mais moi, quand je suis arrivé au Canada, au Québec, j'essayais de chercher une traduction pour empower sans puissance. Nous, on est en train justement d'accueillir des gens qui sont très versés en science, très versés dans plein de choses. Et puis voilà, est-ce que tu peux mettre la vidéo? Là que j'envoie un putain dire quelque chose de mal, que j'envoie un salaud qui va dire quelque chose contre cette vidéo-là. Vous n'avez pas fini. Parce que ce que vous savez pas, c'est que nous, on a des ancêtres. Hein, et ces ancêtres-là vont s'occuper de vous. Pas moi. Non. Moi, je suis pas le juge. Hein. Je vous remets dans les mains de votre créateur, si vous en avez un, à moins que vous veniez du vide, d'un grand trou noir. Donc, retournez. Quand vous allez mourir, vous allez retourner dans ce grand trou noir et vous serez absolument rien, parce que dans un trou noir, il y a absolument rien. D'accord? Donc, c'est pas moi qui va vous juger. C'est encore moins moi qui va vous condamner. Je vous remets à la source qui vous a mis au monde et puis vous vous arrangerez avec elle, d'accord? Et puis vous aurez les leçons que vous avez besoin d'apprendre pour maturer, arrêter d'être des sales gosses de 17 ans qui s'amusent à faire n'importe quoi. Vous n'avez même pas un gramme de maturité. Vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous. Les voyous de la Terre plate. C'est exactement ça. Hassan, est-ce que tu peux mettre la vidéo, mon grand? Il y a quelqu'un qui tape au clavier. Allô? C'est Marie, ça. Marie? Non, Marie est pas avec nous, chérie. Mon cher. Non. C'est celui qui tape au clavier doit couper son micro. Coupe ton micro, Valdec. Coupe ton micro. Allez, Hassan, ça va? Oui, attends, elle va se mettre. Mm-hmm. Je pas. Oui. Okay, on partage l'écran. Prends ton temps, mon gars. C'est désolant de voir. Bonsoir à tous. Fais-en pas. On va parler de la Terre plate. On va parler de plein de choses qui viennent d'arriver. Pour le moment, la première heure, ça prend une heure, hein, de lavage dans un cycle. Ça prend une heure. Alors là, on est rendu, c'est en train de laver. On n'a pas encore rincé, hein. Il y a le rinçage. Après ça, on remplit d'eau pour enlever le vieux savon, tout sale. Donc, non, là, on est encore en train de faire la lessive. On n'a pas fini avec la lessive. Il y avait beaucoup de linge sale. Et non seulement sale, mais ça puait. Ah, que ça sentait. Ah, merde, ça sentait. Allez, vas-y, Hassan. Clique sur la vidéo. Elle est là, non? Non, elle n'est pas là. Ah, alors, il y a un problème. Je vais revenir. Bougez pas. Il n'y a pas de souci. J'avais fait le partage d'écran. Parce que là, les gens vont devoir être patients avec nous, en un sens. Pourquoi? Ben, parce que on a plein de choses à véhiculer, donc ne vous en faites pas. Bon, on me laisse libre de poser, Palacite. Oh, Palacite, ne reviens plus chez nous, hein, Palacite. Non. Bon, on a une qui a arrêté de menacer ce salon pour le moment. Non. On menace pas votre salon. On a ouvert les rideaux et puis on a montré vraiment ce que Z et compagnie Terre plate, Radio Terre plate, et tout le reste. Comment vous êtes des traîtres de la Terre plate? Vous êtes les traîtres de la Terre plate. Pourquoi? Parce que vous acceptez de chevaucher avec des gens qui n'ont aucun, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun scrupule, ils n'ont aucun sens de compassion, ils n'ont absolument rien. Ce qu'ils veulent faire, c'est nous bourrer avec leur religion, de je sais pas quoi. Nous, on n'a pas de religion, on a la seule chose, c'est l'amour, c'est tout, c'est ça notre religion. Et l'amour, là, je m'excuse, trou du cul à tout le monde au pluriel, l'amour, là, c'est pas une secte, d'accord? C'est pas une secte, d'accord? Si vous pensez que, David Lang, qu'est-ce que tu fais là, David Lang? David Lang, qu'est-ce que tu fais chez les ordures? Pourquoi tu tiens avec eux?
Tu vas essayer de les... Patrick, elle, ah ben tiens, hey, vous les attirez tous. Hassan devait nous le montrer, certainement. Patrick, elle. Hassan, tu vas montrer ton aimant. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Non, mais montrer les racines. Alors, voilà. Est-ce que tu as... Voyez-vous, ça, ce sont des autochtones, d'accord? Ils sont très respectueux, font leur danse. Et quand ils dansent, ils font « Aïe, 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 aïe! » Ça crie. Pourquoi? Parce qu'ils se défoulent. Lucas Mekaz, Philippines. Pourquoi tu marques Philippines? Tu fais exprès pour me faire chier ou quoi? Hein? Il marque Philippines. Tu marques rien d'autre à côté. J'ai dit celui qui parle des Philippines, ta, ta, ta. Donc, voyez-vous, l'arrogance, la totale, je sais pas, il leur manque quelque chose à ces gens-là, là. Il leur manque quelque chose. On aimerait bien que tu nous parles de cette recherche, qu'ils vont faire au Brésil. Je sais pas. Quelle recherche au Brésil? Je sais pas tout, moi, là. OK? Donc, tu nous en parles, en même temps, il y a moins d'enfants dans la rue en France. Ouais, ça, c'est sûr. Les enfants en France, faudrait pas qu'il y en ait parce qu'ils demeuraient pas là longtemps. Hein. Nenki, si tu viens dans notre pauvre France, tu es le bienvenu chez moi. Merci, Plénitude, mais je ne retournerai pas en France. Et je ne sais pas si... Ben, c'est sûr que je vais retourner au Québec, mais occasionnellement, et personne ne saura que je suis ni en France, ni aux Philippines, ni au Québec. Il n'y a plus personne qui va savoir où je suis. Oui, Infinity dit, en attendant, le peuple crève de faim et l'ESA est une imposture, bien sûr. Ça vous coûte très cher à tous les Européens. Ça coûte cher aux Allemands, ça coûte cher. Écoute, l'Union Européenne fait partie de la NASA. Donc, c'est 23 pays, 23 pays. C'est combien? Il y a combien de pays dans l'Union Européenne, Vadek ou quelqu'un? Il y a combien de pays dans l'Union Européenne? Ouf, une vingtaine sûrement, c'est 22, 23, je crois. Plus que ça, je crois, d'un petit temps. Donc, ça veut dire qu'il y a 23 pays qui vous volent votre argent, qui mettent ça dans des programmes, qui mettent ça dans des supposément centres d'observatoires.